Bienvenue dans ce didacticiel consacré à l'introduction relative à la console de RStudio. Je vais déjà ouvrir RStudio. Et pourquoi la console, vous allez me dire? Et bien tout simplement parce que on a vu pas mal de fonctionnalités graphiques qu'on peut faire en gros avec la souris sur RQDA et en mode graphique. Mais par contre, pour exécuter des requêtes complexes, comme par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, obtenir tous les avis qui concernent le chômage de vos répondants, mais les avis qui concernent le chômage uniquement des personnes de sexe féminin et d'âge moyen. Il faut que tous ces répondants n'aient jamais mentionné un seul avis relatif à, je sais pas moi, par exemple, aucun avis relatif à un récit de jeunesse. Donc pour exécuter de telles fonctions, de telles requêtes complexes, vous n'allez pas pouvoir faire ça avec la souris. Il va falloir passer par la console d'administration, donc la console pardon, de RStudio. Avant de voir ces fonctionnalités, ces requêtes complexes, on va introduire la console de façon simple. Alors, premièrement, je vais augmenter la taille de la fonte parce que c'est un peu trop petit. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur Tools, Options, Apparence, et là, vous augmentez la taille de la fonte. Je vais prendre du 24. Entre parenthèses, vous avez aussi la possibilité de changer le style de la console. Vous pouvez par exemple prendre le thème Twilight. Je clique sur OK et vous voyez qu'ici, il a bien changé le style. Alors, je vais quand même revenir en mode classique. Et je vais cliquer sur OK, mais sachez que si vous voulez prendre un autre thème, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors ici, j'ai cliqué sur OK. Et on va commencer par prendre l'exemple suivant. On a vu que pour lancer RQDA, on clique sur RQDA, mais sachez que vous pouvez aussi taper, vous pouvez dire je veux que RQDA s'ouvre. Pour ce faire, pour ouvrir un package, il suffit de cliquer sur Librairie. Donc, je vais juste écrire LIB et je tape sur la touche Tabulation. Et ici, il me propose plusieurs choses. Là, je peux choisir entre tout ça et je peux descendre avec les touches de mon clavier, donc les flèches de mon clavier. Donc là, je vais choisir l'option de base et je retouche sur la touche, j'appuie sur la touche tabulation. Et là, on voit qu'il me propose automatiquement il m'a rentré automatiquement le mot en entier. Ensuite, c'est la règle, c'est le langage, si vous voulez, de R. Il faut taper le nom du package entre parenthèses. Donc, je vais ouvrir une parenthèse. Et automatiquement, c'est super sympa. Il me propose déjà de fermer la parenthèse pour être sûr de ne pas oublier de fermer la parenthèse et de rentrer le texte. Ensuite, il faut des guillemets. Donc, j'ouvre le guillemet et de la même manière, il me ferme les guillemets automatiquement. Et je tape RQDA en majuscule. Faites attention, les majuscules des minuscules ne sont pas perçu de la même façon par RStudio et par le langage R en général. Je tape sur Enter et là, vous allez voir que si vous regardez bien en bas, là, mon RQDA va s'ouvrir. Et effectivement, il s'est ouvert. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple dans le sens où vous allez sûrement penser que c'est beaucoup plus simple de cocher la case afin d'ouvrir le logiciel. Certes, je vous l'accorde, mais par contre, pour certains autres exemples, on va voir que ce sera bien pratique d'utiliser la console de R. Donc ensuite, on va prendre plusieurs exemples par rapport. On va donner des exemples de base. Donc, qui ne sont pas forcément en relation directe avec
le logiciel RQDA, mais qui sont en relation directe avec RStudio et le langage R. On va introduire des notions basiques. Sachez que si vous avez trop de texte et que vous ne voulez plus apercevoir ce texte, vous voulez l'effacer, il vous suffit d'utiliser la touche CTRL, donc vous appuyez sur CTRL, et ensuite vous maintenez CTRL enfoncé et vous allez appuyer sur la touche L. Et là, vous voyez que ça s'efface. Ça, c'est une petite astuce pour effacer le texte de la console si on a trop, si ça vous dérange d'avoir trop de texte. Enfin, c'était juste une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit auparavant, c'est que on a installé RStudio et avec RStudio, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez utiliser énormément de packages. Donc, si vous voulez, des packages, c'est un peu comme des logiciels, si vous voulez, des logiciels qu'on choisit d'installer à volonté. Là, il vous propose un bon nombre de packages que vous pouvez utiliser et vous avez la possibilité d'installer d'autres packages. Les packages sont souvent relatifs à des logiciels de type statistique mathématique, mais vous avez énormément de packages à disposition. N'hésitez pas à faire des recherches sur Google ou sur le site du projet R ou bien sur YouTube pour découvrir plus par rapport au projet R en général. Ça peut être très intéressant et ça peut également vous être utile si vous devez travailler avec des autres logiciels, notamment de type statistique ou mathématiques. Alors bref, on va juste essayer quelques exemples. On va taper 2 plus 2 et on voit que ça donne 4. On va taper 48 moins 44 et ça donne bien 4. Et ensuite, on va faire quelque chose de plus complexe. Donc, enfin, plus complexe, c'est pas super complexe non plus. On va taper ça plus ça. On va faire diviser par ça. Et on voit bien qu'on a le résultat. Pour revenir à ce que j'ai tapé, j'ai pas besoin de réécrire le tout. Il suffit de taper sur la touche de la flèche haut de mon clavier. Donc vous savez, les quatre flèches gauche, droite, en haut, en bas de votre clavier, vous tapez sur le haut et il vous propose de rentrer les fonctions que vous avez déjà utilisées. Donc par exemple, je vais reprendre 2 plus 2. Et supposons que j'utilise, pour X raisons, je vais utiliser beaucoup de fois 2 plus 2. Au lieu d'entrer 2 plus 2, je vais dire que 2 plus 2 correspond à, donc c'est comme si j'enregistrais cette variable, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, pour enregistrer cette variable, il vous suffit de faire une flèche en utilisant le tiret et ce signe-là de votre clavier. Et on va dire que 2 plus 2 vaut A. Ici, on voit bien que A vaut 4. Et si j'utilise A, ben, on voit bien que ça vaot 4. Si je dis A plus 4, on voit bien que ça vaut 8. Donc, on peut dire que A plus 4, je veux dire que ça vaut B. Ensuite, si je dis combien vaut B, ben, ça vaut bien 8. Combien vaut B plus A? Ça vaut bien 12. Combien vaut A fois, enfin B fois A ou A fois B, ça vaut bien 32. On peut tout s'imaginer à partir de là. Donc vous pouvez faire ça par exemple. Et il vous donne le résultat en question. Vous allez voir que c'est bien pratique d'enregistrer des variables comme ça, même pour le logiciel RQDA. Si vous fermez RStudio, il va vous proposer d'enregistrer et c'est là que vous allez dire enregistrer si vous voulez qu'il garde ça en mémoire. Donc si vous voulez qu'il garde le A égale 4, B égale 8. Si vous faites don't save, il va tout effacer. Donc si vous voulez vraiment enregistrer tout ça, bah, vous faites enregistrer. Voilà, donc j'ai fermé le logiciel, je vais le réouvrir. Et on voit qu'il m'a gardé tout ça. Donc, si je tape A, ça me fait bien 4. Si je tape B, ça me fait bien 8. Si vous voulez effacer les variables enregistrées, il vous suffit de cliquer sur Clear All. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire ça? Oui, je suis sûr. Et il m'a effacé tout ça. Entre parenthèses, vous avez également la possibilité ici de consulter l'historique de ce que vous avez rentré. Donc, c'est toutes les fonctions que vous avez rentrées. Vous avez néanmoins la possibilité d'effacer l'historique.
vous avez la possibilité d'importer des fichiers texte, de charger des fichiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc soyez curieux, n'ayez pas peur de découvrir un peu toutes les fonctionnalités de RStudio. Ensuite, il est possible de rentrer, parce que le projet R, c'est pas uniquement de rentrer des calculs extrêmement simples, comme des plus, des moins, des fois, et ainsi de suite. Vous pouvez faire des calculs extrêmement complexes avec le projet R. Donc si vous avez besoin de calculer des choses mathématiques très complexes, n'hésitez pas à utiliser RStudio, c'est totalement gratuit et vous allez normalement pouvoir faire plein de choses. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de rentrer des fonctions, par exemple. Par exemple, vous pouvez dire quelle est la somme de 3. Voilà, quelle est la somme de tout ça? Vous tapez sur Enter, et il vous dit que la somme de tout ça vaut 586. Là, notamment si vous avez besoin d'aide par rapport à une fonction, par rapport à la fonction somme, il vous suffit, et c'est valable pour toutes les fonctions, il vous suffit de cliquer point d'interrogation et de taper ensuite le nom de la fonction. Somme. Voilà, je veux avoir plus d'informations par rapport à somme. Et là, il me donne plus d'informations par rapport à la fonction somme. Si c'est trop petit, vous pouvez toujours déplacer l'écran pour avoir plus de visibilité. Et là, ça se présente toujours dans la même fonction, donc c'est très propre à ce niveau-là. C'est pour toutes les fonctions. D'abord, vous avez une description, donc somme, retourne la somme, etc. Donc c'est malheureusement en anglais. Mais ça reste, si vous avez, si vous savez l'anglais, il n'y a pas de souci normalement. Il vous donne une description, un usage, donc comment utiliser la fonction somme. Là, il vous donne des arguments. Donc les arguments, si vous voulez, c'est normalement les options que vous pouvez utiliser ou pas. Ensuite, il vous donne un petit détail. Et ensuite, il vous donne d'autres informations. Donc c'est assez sympa. Vous donne même une petite référence et les si also ça concerne si vous voulez des fonctions très similaires à celles à celles qui s'affichent donc une fonction très similaire c'est callSum. Il me suffit de cliquer là-dessus et là j'ai de l'aide par rapport à callSum. Vous avez une autre possibilité d'accéder à l'aide. Par exemple, on suppose que je veux connaître la moyenne. Ou bien non, on va dire le chiffre minimum d'une série de nombres. Donc dans ce cas-là, je peux taper, je suis pas sûr du nom de la fonction, il me suffit de taper MI, et ensuite je vais taper sur tabulation, et là il me propose plusieurs options, donc voilà, donc moi je vais prendre le min justement. Et vu que je connais pas tout ça, je pourrais très bien taper sur Enter ici. Et ensuite, il me propose de taper la suite. Mais supposons que je ne connaisse pas tellement je sais pas comment utiliser min. Donc, il me suffit de cliquer ici. On voit bien que c'est écrit presse F1 pour plus de détails. Donc, ici, je vais taper sur la touche F1. Et si je tape sur la touche F1, et ben ça revient exactement au même que taper sur point d'interrogation min. Et là, vous avez de l'aide par rapport à la fonction min. Donc, vous avez la description comme avant, l'usage, c'est toujours très propre, c'est toujours fait de la même manière, le détail. Et là, vous avez beaucoup de détails notamment. Vous avez des notes, des références et même des exemples ici. Et les exemples, c'est surtout ça qui est intéressant, ça vous aide énormément. Ici, je peux par exemple, je ne sais pas si ça fonctionne, je vais faire un copier et je vais faire un coller de, oups, un coller de ça. Et là, il me retourne la fonction en question. Je peux également retourner ici et à la place de taper somme, je tape sur min et on voit que le nombre le plus petit est 2 et
En revanche, si je tape max, le nombre le plus grand est 333. Alors ça, c'était juste pour vous introduire aux fonctions. Ensuite, et maintenant, on va passer à RQDA. Si vous voulez obtenir de l'aide par rapport à RQDA, vous pouvez taper point d'interrogation RQDA, par exemple. Mais là, on ne voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Tout simplement, peut-être parce que je n'ai pas activé le package. Donc, je vais l'activer. Donc, librairie RQDA. Je vais attendre qu'il s'ouvre. Je vais voir si cette fois-ci ça fonctionne. Voilà. Donc, ici, ça s'est ouvert. Alors, maintenant, je vais réessayer RQDA. Et ici, on voit que ça fonctionne. Donc, point d'interrogation RQDA. Là, il me propose plusieurs choses. Donc, on voit l'auteur de ce projet, on voit les références, des exemples, une description, la version que vous utilisez. Donc, actuellement, j'utilise la version 0.2-2 du logiciel RQDA, la date de la version, et on voit pas mal d'informations, de même que le site internet. Je peux cliquer dessus, et là, il me mène sur le site en question. Donc là, vous pouvez consulter le site en question. Par contre, vous allez vous demander, ok, mais les fonctions relatives à RQDA, c'est quoi et comment est-ce que je les obtiens? Et là, c'est pas point d'interrogation RQDA qu'il faudra taper, mais ça sera point d'interrogation librairie. Voilà. Ensuite, ouvrir la parenthèse et help égale RQDA. Et c'est toujours comme ça que vous allez faire pour obtenir toutes les fonctions par rapport à une librairie, donc par rapport à un package, si vous voulez, en question. Donc là, c'était RQDA, mais ça aurait très bien pu être un autre package. Donc je vais taper Enter. Et ici, on voit toutes les possibilités qui me sont offertes. Voilà, donc ici on voit en gros les possibilités que je peux utiliser par rapport à RQDA. Donc on voit qu'il y a pas mal de possibilités, donc pas mal d'informations supplémentaires. Et vous avez plusieurs autres possibilités de consulter la documentation, notamment si vous allez sur... Bon, la manière la plus simple, ça devrait être d'aller sur Google. Justement, si vous voulez une version imprimée ou une version PDF, vous pouvez taper RQDA PDF. Et ici, il vous propose normalement en première page à cette adresse-ci là. Il vous propose justement le... Voilà, il vous propose justement le PDF de RQDA. Donc ici, on voit bien le PDF RQDA. Et ce qui est sympa, c'est que sur ce PDF RQDA, vous avez une table des matières. Et là, vous avez toutes les possibilités à rentrer. Donc, que vous pouvez rentrer avec la ligne de commande. Donc, par exemple, vous pouvez faire get at, get case pour les cas, get files, vous pouvez tout faire. Et justement, si vous êtes débutant là-dedans, vous pouvez notamment enregistrer ce fichier sur votre bureau, voire même l'imprimer, pourquoi pas, et consulter davantage d'informations. Par exemple, on va aller n'importe où. Donc ici, donc à chaque fois, il y a deux lignes, donc c'est le début d'une fonction. Donc la fonction Coding by Search, il vous donne une description, il vous dit à quoi ça, enfin l'usage, il vous donne les arguments que vous pouvez utiliser, donc les options, ça c'est en option, et il vous donne le détail, et ainsi de suite. Et souvent, il vous donne des exemples, et c'est très important, les exemples, ça peut vous aider.
Ensuite, vous avez la même chose avec les cross-codes, vous avez la même chose avec les délétions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à rentrer ces codes dans la console d'administration et de tester par vous-même comment fonctionnent ces codes. Donc, soyez curieux, éventuellement, pour la première fois, travailler avec un projet RQDA qui n'est pas le vôtre ou qui est totalement bidon, donc pour être sûr de ne pas faire d'erreur ou d'effacer ce fichier. Mais je vous conseille d'être curieux justement et d'essayer toutes ces fonctions, de regarder sur ce fichier PDF, voire même de l'imprimer justement pour voir comment fonctionne le tout. Ça peut être très très instructif. Alors nous, on va pas voir toutes les possibilités qu'on peut faire en mode console avec RQDA, tout simplement parce que il y a tellement de possibilités, c'est ça la puissance de la console d'administration, c'est qu'il y a tellement de possibilités justement qu'on peut pas tout montrer. On va juste pour la fin de cette introduction vous montrer quelques fonctionnalités. Alors avant tout, je vais ouvrir un projet et je vais ouvrir ce projet-ci. Voilà, donc c'est un projet où j'ai mes interviews. Là, j'ai mes codes. Donc là, vous voyez que j'en ai pas mal. J'ai les catégories de codes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des possibilités, justement, que me propose RQDA. Donc encore une fois, toutes les possibilités toutes les fonctionnalités de RQDA sont disponibles sur ce fichier PDF que vous trouverez en tapant RQDA PDF sur Google. On va rentrer par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer getFiles. Voilà, donc j'ai juste tapé get Files ID, donc là il me propose plusieurs choses, donc là je lui dis get files et je ouvre et ferme les parenthèses. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez regarder le fichier PDF et vous pouvez également taper sur F1 ici ou taper point d'interrogation get files et là vous avez en fait exactement la même chose que ce qui se trouve dans get files, donc c'est la ligne, la page 17. Donc je vais juste aller à la page 17. Et voilà, donc là vous avez getFiles. Là vous avez usage, description, etc. Et ici vous avez exactement la même chose, description, usage, etc. Donc vous avez toujours plusieurs possibilités de consulter l'aide sur RQDA. Alors, getFiles, voilà, donc ici par exemple, il me propose 1, 2, 3, 4 exemples. On va juste prendre le premier, getFiles, on ouvre et on ferme la parenthèse, on tape Enter. Donc là, il me donne tout simplement le nom de tous les fichiers que j'ai. Donc, j'ai le int 2, int 3, int 4, int 5, int 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et si je vais là-dessus, oups, pardon, si je vais là, on voit bien que ça commence du 2 au 11. Donc il me donne tous les fichiers en question. Et si vous voulez, tous les fichiers, ils ont un ID qu'on voit ici, un identifiant. Le int 2, c'est l'identifiant 2, l'int 6, c'est l'identifiant 6, et ainsi de suite. Donc il me suffit de taper getFiles IDS. Et là, encore une fois, si je veux de l'aide, je tape F1. Et ici, j'ai toute l'aide à disposition. Ce qui est très important, c'est surtout l'exemple ici et je dirais les arguments. Donc les arguments, c'est des options que vous pouvez rentrer notamment dans les parenthèses ici. Donc ici, vous pouvez taper par exemple type. Et puis ensuite, vous pouvez rentrer all ou coded, uncoded, selected et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors ici on va faire simple, on va juste taper files ID pardon, j'ai oublié de mettre le S.
Voilà, donc si vous faites des erreurs, il vous donne des informations sur l'erreur. Could not find function getFileID. Et là, il ne trouve pas la fonction getFileID, tout simplement parce qu'elle n'existe pas, parce que j'ai oublié de mettre un S, il faut mettre IDS. Donc là, je vais taper Enter. Et là, il me donne les attributs, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc le troisième fichier, c'est l'attribut 4. 1, 2, 3, on voit bien que le quatrième fichier, c'est bien, enfin, c'est bien l'idée numéro 4. Justement, si vous faites des fautes, ne vous inquiétez pas, c'est normal de commettre des fautes, surtout sur une console d'administration. Lisez le message d'erreur, mais ne paniquez pas si vous faites des fautes. Si vous n'êtes pas habitué aux consoles d'administration, ne paniquez pas, tout va très bien. C'est normal de commettre des fautes. Toutes les personnes qui utilisent les consoles d'administration ont commis au moins une fois dans leur vie une erreur de frappe ou de quelque chose. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de commettre des fautes si vous n'êtes pas habitué à utiliser cette console. Alors on a vu deux exemples. Ensuite, on va utiliser une fonction qui s'appelle summary coding. Est-ce que je l'ai cette fonction? Donc summary voilà, summary codings, c'est le nom de la fonction. Elle donne un résumé de tous les codes qu'on a donné. Donc je vais taper ça avec les parenthèses et là je tape sur Enter. Et là il me donne toutes les fonctionnalités. On va juste recommencer le tout en augmentant au maximum la fenêtre. Donc là je vais faire un CTRL L pour tout effacer et je vais réutiliser ça. Voilà, donc là on voit que c'est déjà un peu plus clair. Donc là il me donne tous les codes que j'ai créés. Par exemple, j'ai créé le code ADECO et j'ai surligné deux fois dans les textes. Donc ça, c'est tous les codes que j'ai créés. Donc ADECO, annonce interne, carte visite et ainsi de suite. Et on voit bien que si je vais dans code, j'ai bien ADECO, âge moyen, enfin j'ai bien tout ça quoi. Et là, il vous donne tous les codes et le nombre de codes. Et ici, il vous donne le nombre de mots associés à ces codes. Par exemple, ADECO, j'ai 347 mots. Expérience longue, j'ai 141 mots. Informatique domaine, j'ai 550 mots. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est le numéro de fichiers qui sont attribués au code. Par exemple, ici, je vois normalement que j'ai qu'un seul fichier qui est attribué au code parce que j'ai codé que sur un seul fichier. Mais supposons que ADECO, donc on va juste prendre ADECO. Voilà, donc ici, on voit bien que j'ai attribué les codes seulement au fichier numéro 2. Par contre, si j'ouvre le fichier numéro 3, ici, et on va dire au bol que tout ça concerne ADECO. Voilà. Ensuite, je vais recommencer. Donc j'ai fait CTRL L et je retape Summary Codings. Ici, on voit que ADECO, il y a bien deux fichiers qui ont été codés. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Et ça, c'est une manière assez pratique de pouvoir justement analyser le nombre de fichiers, de mots et ainsi de suite. N'oubliez pas, encore une fois, que vous avez toujours la possibilité de consulter l'aide de tout, en fait, donc en tapant tabulation et F1. Et là, vous avez de l'aide qui vous est apportée, notamment avec des exemples et avec des arguments. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. On va utiliser un dernier argument pour cette vidéo. Et l'argument s'appelle getCoding Tables. Donc getCoding Table. Voilà, comme ça. Et je vais, encore une fois, F1. Je peux consulter de l'aide, donc je tape F1 et je consulte de l'aide. Et en parenthèse, vous pouvez toujours revenir en arrière et en avant sur l'aide que vous avez consultée. Donc là, on est bien sur getCoding Tables. Là, on voit donc
Voilà, l'exemple, c'est l'usage, c'est comme ça. Donc, get coding tables, je rentre ça. Et là, c'est assez sympa parce que c'est tous les surlignages que j'ai effectués, si vous voulez. Alors, on va juste augmenter ça au maximum. On va effacer, on va recommencer pour que ça soit un peu plus clair. Ouais, donc là, mon écran, il est un peu petit parce que la police est peut-être un peu trop grande. Il n'arrive pas à tout mettre sur une seule ligne, donc je vais essayer quand même de réduire la taille de la fonte. On va mettre du 18 pour voir ce que ça donne. On va recommencer. Voilà, donc si je mets du 18, on voit que ça fonctionne. Donc là, c'est tous les codes que j'ai effectués. Donc on voit que des codes, j'ai fait, si vous voulez, 35 surlignages pour l'instant. Sur l'ensemble de mon projet. Ici, on voit le numéro du surlignage, donc ça va dans l'ordre, ça va dans l'ordre quoi, donc de 1 à 35. Ici, on voit l'ID, la row ID, le numéro de code. Le numéro de l'ID du fichier. Donc si vous voulez, ça c'est l'ID, c'est l'identifiant du code. Donc le code c'est le surlignage. Et ça c'est l'identifiant du fichier. Et ça c'est l'identifiant de la ligne. Donc de la ligne par rapport au fichier. Et ensuite là vous avez le nom du code. Donc, par exemple ici j'ai souligné pour le fichier INT02. Donc, qui s'appelle comme ça mon fichier, j'ai fait un surlignage pour les diplômes et ça commence du caractère 61 au 193. Et là, c'est la taille que ça prend. En gros, le coding length, il vous prend 132 lignes. Donc, ça m'a pris 132 caractères, pardon. Voilà. Là, ça, c'est assez sympa. Et souvenez-vous, auparavant, je vous ai dit que vous pouvez enregistrer des variables en fait. Alors, tout simplement, je vais faire ça et je vais appeler ça résumé. Peut-être pas avec des accents aigus, il n'aime pas trop ça. Donc, résumé, voilà. Et là, résumé égale coding table, donc ça a été enregistré. Et si je tape résumé, il me donne automatiquement les possibilités. Alors justement, il vous suffit de faire entre guillemets une seule fois le get coding table, et ensuite vous pouvez lui donner un nom comme résumé. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de faire comme résumé ou comme n'importe quoi, résumé en majuscule si vous voulez. Et ensuite, vous n'avez même plus besoin de rentrer tout ce nom. Il vous suffit de taper la variable que vous a donnée, donc le raccourci du nom. Donc là, résumé. Voilà. Et encore une fois, donc RQDA, il considère que résumé en majuscule et résumé en minuscule, c'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, là c'était pas très concret comme exemple, mais si je fais 2 plus 2 égale bon, on va mettre ADD comme addition. Et si je fais 2 plus 2 correspond, pardon, justement pas 2 plus 2, mais 2 plus 4 correspond à ADD en majuscule. ADD minuscule et ADD majuscule, c'est totalement différent. Donc soyez bien attentifs aux majuscules et aux minuscules que vous utilisez lorsque vous êtes sur la console d'administration parce que vous risquez de faire peut-être des erreurs si vous n'êtes pas au courant du fait justement que les minuscules et les majuscules sont pas considérés de la même manière par RQDA. On va retourner sur le résumé. Et ça, c'est le dernier exemple que je vais vous donner. Vous avez par exemple la possibilité d'enregistrer ça sur Excel par exemple. Parce que ça peut vous être pratique, ou je sais pas, peut-être que vous voulez imprimer ça.
Comment est-ce que vous faites pour imprimer ça? Donc vous pouvez soit faire, il me semble, Files. Il y a une fonction d'impression, je ne sais pas vraiment où elle se trouve, mais je trouve qu'il existe une fonction d'impression. Mais par contre, je n'ai pas d'imprimante installée sur cet ordinateur, donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à la trouver. Mais bref, pour enregistrer ça sur Excel, il vous suffit de sélectionner le tout. Donc là, il y a plusieurs manières, mais je vais prendre cette manière-ci. Et vous faites, donc vous avez sélectionné tous les résultats, vous faites contrôle droit et vous faites copie. Et là, il vous suffit d'ouvrir un bloc-notes. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais ouvrir le bloc-notes. Puis là, vous faites un coller là-dessus et vous enregistrez ça sur votre bureau. Donc je vais appeler ça RQDA table. On va appeler ça comme ça. Et ensuite, il vous suffit d'importer ces données dans Excel. Alors, sur cette session, je n'ai pas Excel qui est installé, mais je vais vous ouvrir un Excel à partir d'une autre session et vous allez pouvoir voir comment importer toutes ces données. Alors, il suffit d'ouvrir Excel. Voilà, donc ici, je vais ouvrir Excel. Voilà, on y est. Et là, on va justement lui demander d'ouvrir un nouveau projet. Et attendez juste, je vais ouvrir dans mon bureau. Voilà, donc avant d'ouvrir, je vais bien sélectionner ici fichier texte. Donc les fichiers texte se trouvent ici. Donc je clique fichier texte. Et ensuite, je vais ouvrir mon RQDA table. Je clique deux fois dessus. Je choisis la largeur délimitée. Ensuite, je clique sur suivant. Je décoche tabulation et je choisis virgule. Pardon, pas virgule, espace. Et là, on voit qu'il me propose de mettre ça dans l'ordre. Donc, ensuite, je clique sur suivant. Je clique sur terminer. Et là, on voit que j'ai effectivement toutes mes données qui sont disponibles. Voilà, donc après, vous pouvez travailler sur Excel ou sur tout autre tableur, bien évidemment. Vous avez plusieurs manières d'enregistrer ça sur Excel. Pour moi, la manière la plus simple, c'est justement de faire un copier-coller. Donc, copier sur Notepad. Et oui, justement, prenez bien Notepad et non pas Word ou un autre traitement de texte. Donc, prenez vraiment un logiciel qui permet d'enregistrer du texte brut comme Notepad, justement. Donc, Notepad, c'est un très bon exemple sur Windows. Et ensuite, voilà, donc vous pouvez enregistrer ça de cette manière-ci. Je vais juste revenir sur mon RQDA. Et là, comme je vous ai dit, toutes les fonctions possibles, là on n'en a pas vu beaucoup, mais c'est à vous de les découvrir par vous-même. Là, vous pouvez découvrir les autres fonctionnalités. Ici, on a découvert la fonctionnalité GetFiles, qui se trouve. Voilà, donc GetFiles. Get Files ID, on l'a utilisé. On a utilisé aussi Get Summary Coding. Non, Summary Coding, on n'a pas utilisé. D'ailleurs, on va juste voir ça, comment ça fonctionne. Ici, on va taper Summary Codings. Si, en fait, on l'a utilisé, pardon. Pardon, Summary Coding, on l'a utilisé. Donc, on a utilisé Summary Codings et on a également utilisé Get Coding Table ici. Si vous voulez apprendre à utiliser les autres fonctionnalités, n'hésitez pas à les utiliser, soyez curieux. Par exemple, si vous voulez connaître à quoi sert la fonction Export Coding,
Ben, il vous suffit de lire le export coding sur ce fichier ou également de taper dans RStudio export codings. Voilà, export codings. Vous tapez sur F1 pour obtenir de l'aide. Donc export codings. Moi, je vais juste faire ça et je vais taper sur Enter. Et là, il vous propose de sélectionner les codes que vous voulez. Donc, je vais sélectionner ça, 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 ça et ça au hasard. Je clique sur OK. Et en fait, visiblement, il ne s'est rien passé. Mais si vous allez sur votre bureau, vous allez voir que ici, vous avez créé un fichier qui s'appelle Export Codings. Et là, il vous exporte les codes que vous avez sélectionnés. Donc, uniquement les codes que vous avez sélectionnés. Donc là, c'est un exemple assez concret qui, à mon avis, est très simple d'utilisation. Je trouve ça plus simple de passer par, de faire un petit Export Codings. Et ensuite de sélectionner tout ça et de cliquer sur OK et ensuite le fichier s'enregistre sur mon bureau. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de procéder par la console d'administration plutôt que d'aller ici et de faire ça avec de la manière dont on a vu ça auparavant. Voilà, alors on a terminé cette vidéo. C'était une vidéo un peu, on va dire, un peu freestyle cette vidéo. Mais c'est justement ça que je voulais vous montrer, c'est que on va pas tout voir par rapport à la console d'administration. C'est justement à vous, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, de découvrir toutes les fonctionnalités disponibles de RQDA. Merci d'avoir suivi cette vidéo.